Je passe la parole à Noël Mamet. Merci beaucoup. Je pense qu'Edvi et Mediapart ont eu raison de choisir Grenoble parce que Grenoble est, est un symbole, un symbole du choix devant lequel notre société se trouve aujourd'hui. Grenoble, c'est l'histoire d'un homme qui s'appelait Dubedou avec les gammes, les groupes d'action municipale, puis de Raymond Avrier, puis maintenant d'Éric Piolle, qui ont montré comment les politiques, en s'associant à la société civile, en ne se contentant pas de l'écouter, mais de pratiquer ce que l'on emploie dans un langage à la mode, la co-construction, on arrive à remettre sur ses pieds une ville qui a été touchée par la corruption et qui ne savait plus très bien où elle allait. Ça, c'est la défense d'une société ouverte, d'une société qui a confiance en elle-même. D'une société qui considère les citoyens comme responsables et capables de se défendre et capables surtout de comprendre. Mais Grenoble, c'est aussi quelques années plus tard, ce discours infâme prononcé par un ancien président de la République, le chef de file de ces chasseurs qui allaient braconner sur les terres de l'extrême droite et qui ont fini par, euh, comment dire, mitridatiser la société qui est aujourd'hui empoisonnée par ces idées corrompues de l'extrême droite qui ont commencé à s'instiller dans notre société française il y a déjà quelques décennies. Tout cela a commencé dans les années 68 avec des intellectuels derrière un certain Alain de Benoît qui avait créé le groupe de recherche et d'études sur la civilisation européenne qui s'appelait le Grèce et qui avait fait ce pari de Gramsci selon lequel l'hégémonie culturelle de la droite extrême et de l'extrême droite finirait par l'emporter. Et voici que nous vivons aujourd'hui sous cette ombre portée de Le Pen et de tous ceux qui ont construit patiemment cette hégémonie devant laquelle la gauche est en train de plier le genou. Nous sommes dans une période de basculement, une période historique où nous ne devons rien lâcher et surtout où nous devons faire preuve de clairvoyance, où nous ne devons pas nous laisser intimider par une propagande relayée par certains médias. Qui joue sur un carburant facile, le carburant de la peur, qui masque nos impuissances. Et si les hommes politiques et les journalistes ont un devoir, s'il y a un lien entre eux, j'ai été journaliste, je suis politique aujourd'hui, c'est de ne pas se laisser aveugler, c'est de ne pas sombrer dans ce qui est l'un des poisons de la société moderne que l'on appelle la simplification. Vous vous souvenez de, et ça a été évoqué par Edwy tout à l'heure. De, du président Bush qui, au lendemain du 11 septembre 2001, nous expliquait qu'il entrait dans la lutte du bien contre le mal. Vous vous souvenez de Sarkozy qui était devenu un artiste de la simplification avec le travailler plus pour gagner plus, l'islam contre la République, le chômeur contre le travailleur. Eh bien non, le monde n'est pas simple, le monde est complexe. Et la noblesse de la politique comme la noblesse du journalisme c'est d'expliciter la complexité du monde. Seulement, voilà, dans un système auquel nous sommes trop habitués maintenant, où l'on est dans la tyrannie de l'émotion et dans la dictature de l'instant, qu'on appelle le présentisme, où on ne contextualise aucun événement, où on ne revient pas sur l'histoire qui a conduit à une situation, où on a un Premier ministre qui vient nous expliquer qu'expliquer, qui vient nous dire qu'expliquer, c'est excuser. C'est de cautionner justement cette forme d'amnésie de la société qui nous rend si malades et qui fait que l'on n'est pas capable d'affronter la complexité de ce monde et les menaces qui pèsent sur nous, qui ne sont pas simplement des menaces terroristes, qui sont des menaces écologiques, qui sont des menaces sociales, qui sont des menaces liées aux guerres suite à notre colonisation qui font qu'aujourd'hui, nous transformons notre vieille Europe qui s'est nourrie de la colonisation, qui a pratiqué l'esclavage, qui a pratiqué l'exploitation des matières premières, qui a soutenu des régimes qui se sont retournés contre leur peuple et qui, aujourd'hui, provoquent des millions et des millions de migrants que nous ne voulons pas accepter. Est ce que l'on doit analyser ce qui est devant nous uniquement en se contentant de dire Ah oui, nous allons faire la guerre au terrorisme, mais la guerre au terrorisme se justifie par une seule chose qui s'appelle la peur. Et une société qui a peur, c'est une société qui se rétracte, c'est une société qui se replie, et c'est une société qui a peur de l'autre. Vous savez, les psychologues parlent beaucoup de l'estime de soi. Ceux qui s'intéressent, comme l'a dit très bien tout à l'heure Pouria, à la souffrance humaine, celle qui ne se voit pas, celle de ce que l'on appelle les invisibles, ceux-là savent très bien ce que c'est, je pense aux travailleurs sociaux, aux travailleurs de rue. Ce que c'est de basculer de l'estime de soi à la haine de soi. Et chacun sait que lorsqu'on a la haine de soi, on a forcément la haine des autres. Est-ce que l'on va accepter que ceux pour lesquels nous avons voté, qui nous avaient promis, entre autres, le vote des étrangers dans les élections locales, le récépissé demandé à des policiers en cas de contrôle, qui nous proposent maintenant la déchéance de nationalité c'est-à-dire le recyclage d'une vieille obsession de l'extrême droite qui ne contribue qu'à une chose, c'est à, en quelque sorte, légitimer la xénophobie. Ce qui euh, ouvre une brèche dans ce qui est un, un héritage quasiment sacro-saint. Et je suis comme euh, Edvi, je me méfie de ces mots qui détruisent, ou en tout cas qui portent atteinte à la notion que nous avons de la laïcité, ce qu'on appelle le droit du sol, et qui, accessoirement, fragilise, mais dans une situation insupportable, 3,7 millions de binationaux qui se sentent les seules victimes de cette petite et misérable opération politicienne qui consistait à piéger la droite pour pouvoir mieux préparer l'élection et l'échéance de 2017. Est-ce que l'on a le droit de s'en prendre à notre loi fondamentale pour de tels projets ou pour de tels dessins la réponse est évidemment non. Mais attention, là encore, les politiques associées aux médias dans une sorte de relation incestueuse sont tout à fait capables de vous focaliser. Vous savez, le terme à la mode, c'est focus, de vous focaliser, de braquer les lampions uniquement sur la déchéance de nationalité. Mais tout cela s'inscrit dans une sorte de, de paquet. Le paquet, il a commencé. Il a commencé sous Sarkozy, il s'est poursuivi avec la gauche, qui nous a fait voter quatre lois contre le terrorisme, plus la loi renseignement, qui était supposée lutter contre le terrorisme vous avez vu son efficacité, qui, à chaque fois, ont donné un peu plus de place au juge administratif contre le juge judiciaire, à l'arbitraire contre la garantie de nos droits et qui nous ont habitués à avoir dans ce pays, des tribunaux d'exception, comme par exemple les cours d'assises pour les terroristes où ne siège pas le peuple, mais où ne siègent que des magistrats, et d'une certaine manière, les juges antiterroristes sont des juges d'une catégorie d'exception. On s'est habitué petit à petit, et voilà que nous sommes maintenant dans cette lente descente aux enfers qui euh, risque de conduire notre pays dans un recul des libertés qui est sans doute l'un des plus importants depuis le lendemain de la deuxième guerre mondiale puisque derrière cette constitutionnalisation de la déchéance et cette constitutionnalisation de l'état d'urgence se dissimulent des lois qu'on va nous faire voter une loi que l'on va nous faire voter sans doute au mois de mars qui est la loi qui va transformer le code pénal et le code de procédure pénale et c'est ça qu'il faut que vous expliquiez à ceux qui aujourd'hui se laissent enfumer par cette propagande c'est que demain, avec cette réforme du Code pénal et du Code de procédure pénale, le juge judiciaire sera effacé derrière le procureur, derrière le policier et derrière le préfet. Et que lorsque le juge judiciaire, garant de nos libertés individuelles, passe derrière cela, ça veut dire que l'on est en train de mettre en place les éléments d'une société, non, je ne dis pas une société policière, mais. Une société que je qualifierais de surveillance et du soupçon. D'ailleurs, faites l'enquête auprès de vos voisins qui considèrent que cette campagne et cette, ces décisions qui sont prises par le gouvernement, c'est fait pour les protéger encore plus. Ils vous diront Mais moi, je n'ai rien à me reprocher. Ah, quand on en est là, c'est-à-dire que quand on est dans une société qui se prétend démocratique, qui, se prétend, qui prétend défendre toutes nos libertés, quand on en est à se dire mais moi je n'ai rien à me reprocher mais peut-être que mon voisin lui il a quelque chose à se reprocher alors ceux qui savent contextualiser qui se souviennent de notre histoire une histoire récente ceux-là savent très bien ce que ça signifie et savent très bien jusqu'où ça peut aller eh bien je fais partie effectivement de, de ces six députés qui ne tirent pas un honneur particulier de leur position tenu le 16 novembre face à la prolongation de l'état d'urgence, parce qu'en fait, là encore, c'était une grande opération de manipulation. Il s'agissait de se prononcer sur la prolongation de trois mois de l'état d'urgence, mais aussi, et pour Yale a très bien dit tout à l'heure, sur la loi de 55 et son durcissement. Et c'est là qu'était le vice encore, puisque cette loi de 55, elle a été durcie de telle sorte que ce que l'on pouvait la poursuite que l'on pouvait exercer sur vous au nom de, votre, de, de vos agissements, de vos activités devient poursuite au nom de votre comportement. alors là on passe du domaine du législatif au domaine psychiatrique et effectivement, on peut au nom de cet arbitraire puisque maintenant c'est le juge administratif qui pourra tout décider ou le policier eh bien ça veut dire tout simplement. Que on pourra exercer, on pourra mettre quelqu'un en assignation à résidence ou le perquisitionner uniquement sur son comportement. Oui, c'est le film de Spielberg, Minority Report. Oui, c'est euh, le délit, c'est ce qu'on appelle la culpabilité prescriptive, c'est-à-dire qu'on on, 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 on change le, la pyramide, ce n'est plus la présomption d'innocence, mais c'est la présomption de culpabilité. Tout cela, nous ne pouvons pas l'accepter, ce qui est accablant, ce qui est révoltant, ce qui est scandaleux c'est de voir que c'est un gouvernement de gauche qui est en train de procéder à cette régression. Eh bien, moi, je vous le dis de manière très solennelle ici, je ne les accompagnerai pas dans la descente aux enfers, et ce n'est pas parce qu'il n'y a eu que six députés qui se sont battus que nous changerons les choses, parce que nous n'y arriverons pas tout seuls. Oui, c'est avec ceux qui sont ici, ceux qui nous regardent sur Internet, avec les réseaux sociaux, avec la société mobilisée, parce qu'il faut dire à M. Valls, à M. Hollande et à ses copains qu'ils ne matront pas une société rebelle, parce que nous resterons des rebelles. Merci. Merci Noël, ma mère.